Bonjour, voici une vidéo tutoriel sur comment créer une usine à côtelettes grillées. Je vous fais une petite démonstration rapide. Voilà, il y a vos cochons qui tombent, ils meurent par le feu. Le timer là-bas permet de savoir, permet de retarder la désactivation des pistons collants le temps que tous les cochons meurent. Et voilà, vous recevez tous vos items ici. Petite interruption pour que je trouve un petit terrain. Voilà, ça reprend. Donc, vous faites un mur de 5 de barrière comme ceci. Vous creusez en dessous. Bien évidemment, faut éviter de casser les barrières. Dans un coin, n'importe lequel, vous posez de l'eau. Puis ensuite, vous vous arrangez. Moi, je vais faire des barrières pour retenir l'eau. Ensuite, vous creusez juste en dessous de là où vous avez fait pour bloquer, comme ceci. Cette vidéo sera en 2 ou 3 parties, je ne sais pas encore. Voilà, vous avez fait votre piste pour récupérer vos items. Maintenant, vous faites une structure tout autour. Ici, vous posez des pistons collants orientés vers les barrières. Voilà, la structure est faite. Un étage en plus. Ici, il faut impérativement refermer, mais l'étage inférieur, non. Ensuite, un étage supérieur. L'étage supérieur, il vous faudra mettre des panneaux. Je fais pause le temps que je mette les panneaux. Voilà, reprise. J'ai juste ajouté un étage supérieur et j'ai fait la structure. Donc maintenant, vous posez de la lave au-dessus de chaque panneau. Voilà, vous faites un étage supplémentaire. Ensuite, vous posez derrière un bloc de construction. Entre autres, là, mes blocs de construction, c'est le vert. Vous posez d'abord un sticky piston. Vous supprimez le bloc de construction derrière. Je vous le recommande et vous continuez la rangée de sticky piston. Ensuite, vous posez un bloc de terre ou d'herbe parce que les mob spawners ont besoin de faire spawner sur de l'herbe pour les mobs passifs et les mob spawners de mobs passifs ont besoin de lumière. La lumière proviendra de la glowstone que je vais poser, mais vous pouvez remplacer ceci. Regardez, je vais prendre un bloc quelconque et des torches. Regardez, vous pouvez faire tout autour ceci, mais la structure devra être en vert. Ensuite, je conseille de continuer les mob spawners comme ceci. Cette machine à côtelettes est beaucoup plus rentable, même si elle coûte cher, parce que les cochons spawnent à grande vitesse et meurent rapidement. Nous allons terminer le premier étage. Donc maintenant, nous continuons les blocs de construction. Et répétez juste avant, là, pour créer le premier étage, pour ajouter des étages. Fin de la première partie. Je vais vous mettre un lien pour la deuxième partie.